C'est la bonne. Bonjour et bienvenue sur Radio Olympique TV pour ce direct derby de Fédéral 2 entre voisins Gaillacois et de Saint-Sulpice avec nos commentateurs Alexandre Calamotte. Bonjour à tous. Ainsi que Zaza. Une belle après-midi rugby, en sachant que c'est l'un des rares matchs reportés que vous allez pouvoir assister en direct. Et encore désolé pour le retard, mais en fait, le match a été reporté à 15h20. Donc voilà, en attendant, Alexandre va reprendre le micro. Je vous souhaite un bon match et on se retrouve à la mi-temps. Oui, bonjour à tous. Alors, un match aujourd'hui de Fédéral 2. Ce qu'on vous proposera de mieux sur la saison régulière à cette saison. Puisque, on le rappelle, la Fédérale 1 est sous contrat avec l'équipe 21. Et donc, du coup, nous ne sommes pas dans la capacité de pouvoir aller filmer au-delà de la Fédérale 2. Et aujourd'hui, donc, c'est un match de Fédérale 2, Zaza, avec deux équipes, un gros derby, Tarno-Tarné, si j'ose dire, entre Gaillac et Saint-Sulpice. Et Saint-Sulpice qui sont au classement 5e. 6e et 7e avec un point de différence en faveur de Gaillac. Donc un gros derby. Comptablement, ça peut être intéressant. Intéressant, voilà. Pour nous et pour tous les spectateurs qui nous suivent. Ouais. Et les auditeurs, voilà, bonjour à tous. Excusez-moi, je ne me suis même pas dit bonjour. Oui, ouais, c'est vrai, on t'a... Non, on a dit vrai. Que tu étais là, mais... Voilà. Là, pas de soucis. En plus, il fait beau, donc c'est, ouais, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de vent. On a limite un temps printanier aujourd'hui. Oui. Avec donc les deux équipes qui, si vous le voyez à l'image, continuent leur réchauffement, puisque le match donc, est à 15h15, coup d'envoi, puisqu'il avait été annoncé à la base à 15h. Et donc, du coup, reporté légèrement à 15h15, ce qui explique le pourquoi du comment. Nous prenons le direct si tardivement. Et aussi, je vais le dire, je le dis en direct, hein, j'avais oublié tout simplement le trépied à la maison. Donc merci ma femme de m'avoir abonné, en temps et en heure. Sophie, merci de nous avoir amené le trépied. Voilà, donc qu'est-ce que tu en penses? On peut peut-être commencer par les compositions d'équipe tant que... Avant que le speaker commence, voilà, parce qu'on l'a ça. Juste à côté. Alors, donc on va commencer par l'équipe qui se déplace, si tu veux. Oui. Ah. Alors, numéro 1, Marty. Numéro 2, Gali. Numéro 3, Martinet. Numéro 4, Vincent. Numéro 5, et qui sera capitaine, Gauthier. Numéro 6, Galinier. Numéro 7, Carmouze. Numéro 8, Noyer. Numéro 9, Bensala. Numéro 10, Sirvin. Numéro 11, notre Sirvin, qui sont apparemment deux frères. Numéro 12, Ortiz. Numéro 13, Pérez. Numéro 14, Miguerou. Et numéro 15, à l'arrière, monsieur Lillet. Et pour les remplaçants, numéro 16, Bortolozo. Numéro 17, Bazé. Numéro 18, Beitendash. Alors, Beitendash ou Beitendak. Dak, plutôt peut-être Dak. Dak. Allez, on va déjà avoir à s'attirer les foudres des supporters du rugby club Saint-Sulpice-la-Pointe. Numéro 19, Jocely. Numéro 20, Sanda. Numéro 21, Carayon. Et numéro 22, Pignol. Et donc pour les entraîneurs, Monsieur Ségur et Monsieur Roca. Alors je te laisse la main pour l'équipe de l'UAGR. De l'AG. Alors en 1, on aura Gisquet, Olivier. En 2, Vélo, Julien. En 3, Fazan, Alexis. En 4, Blancal, Jean. En 5, Cassa, Alexandre. En 6, Cransac, Laurent. En 7, Arroyo, Gaël. En 8, Gerbeau, Dorian. En 9, Vessière, Cédric. En 10, Giroux, Kevin. En 11, Adèle, Ludovic. En 12, Garrigue. En 13, Adèle, Nicolas, qui est le frère donc de Adèle, Ludovic. En 14, Goz, Teddy. Et à l'arrière, le frère de Teddy, Goz, Charlie. En 16, nous aurons Julien, Kevin. En 17, Frébi, Julien. En 18, Tirefort, Thibault. En 19, Pastor, Germain. En 20, Durand, Léo. En 21, Bouygues, Arnaud. En 22, Boué, Ronan. Donc le manager, c'est Jérôme Aru. Et les entraîneurs des trois quarts, c'est Philippe Garrigue, un ancien du CO. Et
Pour les avances, c'est Sylvain Dupuis, un ancien de Labour. Non, pardon, j'ai fait une bêtise. Dupuis qui, qui est passé par Agen, voilà. Et Toulouse. T'as fait quelques recherches, ma chère Zaza. J'ai fait des recherches, oui, j'ai fait des recherches. Et donc, du coup, le représentant fédéral aujourd'hui, représentant fédéral donc fédéral 2, monsieur Didier Mirepoix. Et donc, du coup, ce match sera arbitré par monsieur Benoît Lapassade. Du comité de Vic-Fezensac. Vic-Fezensac. Donc on le disait tout à l'heure, hein, ma chère Zaza, un temps limite printanier pour ce match, surtout après ce qu'on a pu connaître dans le secteur vis-à-vis des intempéries, avec pas mal de matchs qui ont été reportés aujourd'hui, hein, notamment pour incapacité, les terrains impraticables. Donc pas mal de matchs, donc j'espère que toutes ces personnes en profiteront pour nous suivre aujourd'hui. Et donc voilà, donc en plus, pas un seul, mais vraiment, on ne voit même pas les arbres bouger, ma chère Zaza. Tout à fait, il n'y a pas aujourd'hui, de vent. La pelouse, bon, elle peut souffrir, c'est normal, vous êtes à Paris. Il faut savoir qu'hier, il y avait de l'eau sur toute la pelouse et qu'ils ont épongé, c'est ce qu'ils nous ont dit, pour avoir une belle pelouse pour aujourd'hui. Ouais, et puis donc les personnes du staff et donc les dirigeants du club de Gaillac m'ont dit qu'ils avaient longuement essayé de faire en sorte que cette rencontre puisse avoir lieu aujourd'hui. Donc bravo à eux, ils ont pu faire en sorte que cette rencontre puisse se jouer aujourd'hui. Donc nous allons attendre d'ici peu de temps, il est 15h15 à notre montre, avec un chrono en plus aujourd'hui qui sera présent, donc on va pouvoir suivre le chrono exactement et voir aussi l'évolution du score si le monsieur à côté de nous avec la table de marque ne se trompe pas exactement. Et si nous non plus ne se trompe pas, mais Zaza, tu veilles au grain, tu vas pouvoir noter les éléments, les informations, voilà, les transformations, les essais. Alors on peut dire que la tribune présidentielle est pleine et que le public de la tribune en face commence à se remplir aussi, donc une beau petit derby. Et le capitaine, oui, du côté de Gaillac, c'est Olivier Gisquet, hein. Et donc nous avons aussi la victoire de l'équipe B, hein, qui ne se jouait pas sur ce terrain, hein, il était sur un terrain annexe, effectivement, cher Jaza. Et donc du coup, victoire de Gaillac sur le score de 21-0. Donc un point pour Gaillac dans cette double confrontation. Et on verra bien si l'équipe une fait la même chose. Voilà, réitère. Sachant que la semaine dernière, donc Gaillac avait perdu à l'Arquez sur le score de 19-16, donc ils avaient pris quand même un point de bonus défensif. Oui. Et que le Rubis et Club Saint-Sulpice, eux, se sont imposés à domicile contre Castelsarrasin, 23-22, donc ça prouve que ça risque d'être un match assez serré. Ouais, avec donc une équipe de. Ouais, je suis en train de regarder un petit peu tes fiches. Ouais. Au niveau des résultats de Saint-Sulpice, quand ils se déplacent, ils font pas semblant non plus. Ils prennent du bonus défensif. Oui, ils font pas semblant. Hein. Non, ils ont fait 3 matchs à l'extérieur, ils ont gagné une fois. Et sur les 2 matchs qu'ils ont perdus, ils ont pris le bonus offensif. Alors que Gaillac déjà a perdu déjà 2 fois à domicile. Donc, ouais. Sur 4 matchs, donc voilà, c'est un peu Gaillac qui aura la pression aujourd'hui. Ouais, sachant que Saint-Sulpice a un match en retard en plus, puisqu'ils n'ont pas joué le match contre Balma. Donc voilà, donc ça s'annonce un match. Ouais, donc c'est vrai que le classement n'est pas forcément représentatif dans les moindres détails, puisque c'est vrai que nous avons même des équipes qui sont présentes avec seulement 8 matchs joués sur les 10 potentiels. Donc notamment le quatrième de cette poule, qui est devant et qui a 2 matchs en retard. Donc voilà.
Bon, on attend que les équipes fassent leur entrée sur cette belle pelouse aujourd'hui. C'est vrai qu'elle est jolie. Hein. Ah, elle est jolie, ouais, ouais. Un joli complexe avec. Donc nous sommes en tribune, si on peut dire présidentielle aujourd'hui. Oui, présidentielle. Dans ce magnifique complexe de Laborie. Et on peut dire aussi Bernard Laporte, ouais, puisqu'il y a le double. La double appellation. Donc voilà, et on attend de pied ferme l'entrée des joueurs avec les entraîneurs qui sont déjà sur le bord du terrain. En attendant que les deux équipes se mettent en formation pour sortir de cette antre de notre tribune présidentielle aujourd'hui. Alors, vous voyez peut-être, non pas encore à l'image, mais quand vous aurez à l'image le plein terrain, vous verrez aussi qu'il y a une tribune en face de nous. Vous voyez tribune, et voilà, ça sort. Allez, Gaillac, avec l'entrée de Gaillac. Donc Gaillac qui jouera en blanc aujourd'hui. Avec une musique bien rock pour l'entrée des joueurs. On dirait un peu à la toulonnaise. Ouais, c'est vrai. Et voilà. Alors donc en fait Gaillac va jouer. Non, Gaillac jouera en noir. Jouera en noir. Autant pour nous. Ouais. Oui, parce que Gaillac peut jouer en blanc aussi, hein, oui, il me semble. Hein. Tout à fait, ils ont les deux couleurs. Et a priori, c'est Gaillac qui devrait donner le coup d'envoi. Ouais, le coup d'envoi. Avec Kevin Giroud. Le numéro 10 et demi d'ouverture de cette équipe de l'UAG ou de l'UAGR, si on veut être vraiment plus précis. Ouais, ou la deuxième, l'athlétique gaillacoise aussi. Ouais. Puisque ça s'appelait l'UAG avant qu'il y ait les petits problèmes, avant qu'ils redescendent en fédéral 3, hein, avec la création de l'UAGR. Mmh. Allez. T'as le coup de sifflet de l'arbitre. L'arbitre de la rencontre est à M. Benoît Lapassade et le représentant fédéral est à Didier Mirepoix. Donc nous avons les bonnes informations, Zaza. Oui, on a vérifié. J'avais vu l'arbitre tout à l'heure, donc il m'avait dit que oui, il n'y avait pas de changement. D'ailleurs, bravo Zaza pour aller chercher les compositions d'équipe, puisqu'on avait eu l'équipe de Saint-Sulpice qui avait publié sur leur page Facebook leur équipe type d'aujourd'hui. Et l'UAG où on a pu le récupérer uniquement sur la feuille de match aujourd'hui. Donc c'est à monter. Bravo pour le Rugby Club Saint-Sulpice de mettre en place ce genre de choses. C'est toujours appréciable pour les gens qui suivent, les gens passionnés de rugby comme on est. Allez, on attend. Allez, donc l'arbitre qui demande si tout le monde est prêt, notamment les deux capitaines. Donc les deux capitaines, on le rappelle, le numéro 5, Monsieur Gauthier, pour Saint-Sulpice, et le capitaine, donc. Et en avant, à la réception. Voilà. Et on est hors jeu. Et le capitaine, Monsieur Gisquet Olivier, le numéro 1 de l'UAG. Une première pénalité. Et c'est ça, une réception avec un en avant, une ballon reprise devant, on est hors jeu, donc. Pénalité en faveur de Gaillac. Qu'est-ce qu'ils vont prendre, à mon avis? Ouais, ils vont prendre les points. Eh bien, on n'aura pas attendu une seule minute. C'est ça. Pour inscrire peut-être les premiers points. Peut-être, oui. Attention, ne porte pas la guigne, ma chère Zaza, parce que généralement, moi, quand je le dis, ça porte malheur. Donc, attention. Tentative de pénalité par le numéro 10, Monsieur Giroud Kevin, excusez-moi. Première tentative sans un seul vent. Elle est bien partie. Elle part bien. Et le poteau du milieu. Voilà. Première minute de jeu et le score qui passe déjà à 3-0 en faveur de l'UAGR aujourd'hui. L'équipe qui reçoit les Noirs. Allez. Le numéro 10, Sirvin.
Allez, c'est récupéré dans les 22 mètres. On tape directement une touche pour trouver une touche au niveau des 40 mètres, sur ligne 40 mètres. Alors, Luc Sirvin, qui est passé par là, qui a été formé à Lavaur, et qui est passé par le stade de Toulouse. Agen également. Agen, oui. Bien, ma chère Zaza, tu as fait de bonnes recherches. Oui, oui, oui. Mais c'est-à-dire que j'ai un peu vu que Saint-Sulpice quand même avait récupéré pas mal de joueurs de Lavaur. Ben, ouais, c'est bizarre, ça, t'es. C'est bizarre. Allez, un premier lancé donc pour le numéro 2 de l'équipe. Alors, on attend le ballon. Voilà. De Saint-Sulpice, monsieur Galli, qui est passé justement par Lavaur. Ouais. Je profite de tes notes, hein. Je veux pas te voler la vedette, non, hein, ma chère Zaza, mais je le vois écrit, donc je le dis. C'était fait exprès. Allez, un lancé. Oula, fond d'alignement, bien capté. Par le numéro 3, Martinet. Allez, au milieu. Allez, attention, mais ça refoule, hein. Ouais, ça refoule le côté. Gaillac. On est face à... Oh là, il y a un trou. Ouais. Ça a donné même main. Attention de ne pas se mettre à la faute. Là, peut-être une position d'hors-jeu. Il y a peut-être un petit en avant quand même. Tapé au pied. Ça va mettre sous pression l'arrière. Le numéro 15. Oula. Un petit croche-patte. Ouais, attention. On qu'est-ce que dit monsieur l'arbitre? Non, le ballon toujours pour les noirs. Il l'a pas vu. Écarté. Et on dégage. Oui, un long dégagement qui va pas trouver la touche. Récupéré par le demi-ouverture Sirvin. Et qui a vu le trou. Oh, qui va la donner. Oh là. À son ailier, à son frère Léo. Et là, si vous cherchez, s'il y a de l'impact aujourd'hui, le numéro 11, Léo Sirvin, justement le frère du numéro 10, mais deux fois il s'est fait croquer. Donc c'est intense. Donc première mêlée de cette rencontre. On est à la quatrième minute de jeu. Avec une introduction par le demi de mêlée, le numéro 9, Vestiaire Cédric, le numéro 9 donc de cette équipe de l'UAG, qui va introduire pour une mêlée qui est un petit peu compliquée dans les 22 mètres. Un bras cassé. Ce qui va permettre peut-être de se donner de l'air. Se dégager. Alors, n'a-t-on pas respecté les commandements peut-être de monsieur Benoît Lapassade aujourd'hui? Eh, ça va pas trouver la touche, hein! Et non, sauvé par. Ça ne va pas trouver la touche, hein, et l'arrière Liette, qui tape. Voilà. Ah oui, on va y avoir une pénalité là! Non, un ballon direct. Ballon direct, en fait, il a mis directement. Voilà, là, le derby, je pense qu'il va être. Il va être pas mal. Pas mal. Vous l'avez dit, ça s'était serré. Et donc elle sera directe, donc ouais, c'est dommage. Elle est lancée du coup pour Gaillac. Mais peut-être, c'est justement parce qu'elle est directe, peut-être qu'il revient pas. Parce que bon, j'aurais peut-être pas dit la même chose que monsieur l'arbitre, mais de toute façon, c'est lui. Allez, qui arbitre. Pour vélo, belle, bien capté. On s'organise à mode. Ah oui, il est bien parti. Le vélo, justement, le talonneur. Ah, il se fait croquer à l'entrée des 22 mètres. Un peu avant, attention. On se met peut-être en position d'hors-jeu là. Allez, on ouvre bien, attention. Ah là là. On touche le ballon et du coup ça. Ah, on a perdu, on a perdu 10 mètres là. Allez, on garde quand même le ballon du côté de Gaillac. Allez, on envoie le pilier. Gisquet, justement, le capitaine. Attends, je te fais la place, ma chère Zaza, je mets mon stylo en plein milieu là. Allez, toujours le ballon gardé. Ah, un ballon tombé, le bras tendu par monsieur l'arbitre. On va revenir sur l'en avant. Et la mêlée. Cette fois-ci, avec une introduction pour Saint-Sulpice, on imagine monsieur Ben Salah, le numéro 9. Normalement, c'est le numéro 9, mais des fois, ben, dans ces divisions-là, des fois, le numéro 9, c'est pas celui qui introduit. Et oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ou suivre à la fusion du même match. Oui, tout à fait. Le numéro 9, t'as pris un carton, peut-être. Ou des fois aussi, effectivement. Ça peut être un talonneur qui joue. Ouais. Oui, on est lié, c'est vrai. Hein, on a eu de temps en temps, hein, avec Rory Cocotte, par exemple. Monsieur Smith qui s'occupe de l'introduction. Voilà. Ça peut arriver. Pour pas encore parler de club tarné, hein, encore.
Allez, donc introduction. Hein, on le voit, c'est bien le numéro 9, Ben Salah, qui introduit. Voilà, oh c'est tombé, mais ça va se jouer. Bon. Allez, il a vu le trou. Allez, il redonne. Ouais, c'est bon, c'est donné. Ah non, il considère qu'il y en a un aval, l'arbitre de passe. Ah, un aval de passe, hein. Bon. Il doit être mieux placé que nous, puisque nous, bon, on a un petit effet d'optique, hein, puisqu'on n'est pas totalement au centre du terrain. Hein. On est un petit peu excentré, mais ouais, au niveau de la caméra, pour vous, ça va. Hein, je pense qu'on doit être à peu près au centre. Allez, on joue la 7ème minute et donc Gaillac mène toujours 3 à 0. Ouais, 7 minutes où on a vu... on a essayé de faire du gagne-terrain des deux côtés. Mais ça développe du jeu. On essaye d'écarter les ballons. C'est pas pour nous déplaire. Allez, on redouble avec son demi de mêlée. Du côté de Gaillac. Plaquage haut. Un avantage en cours. Ouais, pour un plaquage haut. Ou peut-être la liaison. Hein, peut-être par rapport à la... Le numéro 9. Allez, on ouvre sur le centre. Qui va défier. Le soutien est là. On continue sur le petit côté. Ouf. Oh, le plaquage. Toujours le bras tendu. Ouais, ouais, toujours le bras tendu par monsieur Arbitra. Allez, on écarte. On essaye de gagner un petit peu de. Bien joué. Ouf. Avec le pilier. Ouais, les deux piliers. Les deux piliers en position de centre presque. Au relier. Allez. C'est peut-être une volonté, quelque chose qui a été. Ouais, on va arrêter. On va revenir. Alors, est-ce que c'était un problème de liaison? Je pense, hein, par rapport à la gestuelle de monsieur l'arbitre. Je pense que c'est un problème de liaison au niveau des troisièmes lignes, me semble-t-il. Ou peut-être un plaquage haut. Hein. C'est pas... La gestuelle est un petit peu compliquée. Et Kevin Giroud a fait signe qu'il voulait taper, qu'ils vont prendre les points. Je pense plus donc à un plaqueur. Ou alors peut-être qu'il ne met pas les mains. Un plaqueur qui va peut-être un peu à l'épaule, qui ne ceinture pas le joueur. Ouais, la gestuelle est un petit peu... Allez, deuxième tentative. Allez. Donc, on est sur 1 sur 1. Au moment où on vous parle. 9e minute de jeu, le score de 3 à 0. En attendant cette tentative de pénalité, on est à peu près à 35... Ouais, 35 mètres face au poteau. Et ça va passer. 9e minute de jeu et le score qui passe de 6 à 0 en faveur de Gaillac. Kevin Giroud, le demi d'ouverture de cette équipe de l'UAGR. Allez, on va avoir un renvoi par son homologue, le numéro 10 de l'autre côté. Luc Sirvain. Qui tape bien, c'est bien pris du côté. Du côté de Gaillac. Ouais, on s'est fait croquer. Alors, on est rentré dans les 22 mètres, je pense. Ouais, on est rentré. La gestuelle de monsieur arbitre. Il faudra pas la mettre direct. Voilà, donc il faudra pas la mettre direct. Attention. On essaie de se donner de l'air. Et ça va aller directement en touche. Ah, c'est bizarre. C'est bizarre, monsieur l'arbitre, là. Liette qui est à la relance. Voilà, attention, bien. Le contre-rec, là. Une pénalité. On a perdu, ouais, on a perdu les appuis, je pense. Et on va au-delà du rec, du coup, et on se fait sanctionner du côté de Gaillac. Un peu trop dandy sur ce contre-rec. Allez, donc du coup, c'est le numéro 9, Ben Salah, qui va essayer de rentrer. Ouais, on est à 5 mètres. Ouais, allez, 30 mètres. Ouais, 30 mètres. Allez, 28 mètres. Allez. Abisto des Nas. On est à 28 mètres de la ligne d'un but. De Gaillac avec un lancé qui va être à l'initiative de monsieur Galli, puisqu'on était sur une pénalité, et forcément, quand on tape en touche, c'est une pénalité et donc un lancé par celui qui. Ils ont essayé là, de faire la même que tout à l'heure, mais ça n'a pas marché. Ça a pas marché et, voilà. Et même pénalité. On rentre sur le côté. On la joue vite. Je sais pas si on est à 10 mètres là. Mais monsieur l'arbitre ne dit rien, ça tape au pied pour essayer de mettre sous pression avec. Oh là là. Il avait bien vu le numéro 9, Cédric Vessière du côté de Gaillac, qui avait un coup à l'opposé, qui avait personne. Donc, il a bien lu.
il a bien lu. On cherche à occuper le terrain du côté de Gaillac, c'est très bien. Mais surtout quand on était un petit peu sous pression à l'entrée des 22 mètres, on retourne pratiquement à 28 mètres, mais de l'autre côté. Voilà. Tout simplement. Donc, par contre, le lancer sera toujours pour Monsieur Galli, le talonneur. Talonneur blanc. De Saint-Sulpice. De Saint-Sulpice, oui. Saint-Sulpice, la pointe. C'est des Saint-Sulpice, il ouais, y en a pas mal. Ouais. On a failli perdre là. Ouais, bras tendu par monsieur l'arbitre pour un en avant. Voilà. Ça va écarter. Allez, ça va écarter, le centre sur le 12. Ah, il a essayé de revenir. Voilà. Ouf. Oh là. Il s'est fait découper. On retarde. Allez, sur le numéro 10. Ah, c'est en place. C'est en place, il y a un trou. Allez, ça continue. Ça va vite. Hein. Ça va vite. Avec le deuxième ligne. Allez, on est rentré dans les 22 mètres. Allez, le soutien est là. On... Ouf, le numéro 8 qui était venu se proposer. On continue. Ah, pénalité. Et ouais, c'est mis au-delà. Un joueur, il s'est mis au-delà du ruck. Ouais, on va même sur le côté. On même vient sur le côté. Pour ouais. Protéger un peu le ruck. C'est dommage parce que ouais, le numéro 8, il était venu se proposer à hauteur pour venir vraiment impacter cette, la défense au ras. Et malheureusement, c'est le soutien de ce joueur qui se met à la faute. Hein. Parce qu'on le rappelle, hein, le soutien doit venir par la porte, donc du coup dans l'axe du joueur plaqué et non pas sur le côté. Pour expliquer un petit peu la règle. Bonjour à tous, merci de nous suivre. Bonjour du 974, c'est bizarre, Jean-Marie qui nous suit, c'est bizarre. Réagissez en direct, hein. N'hésitez pas à commenter cette rencontre si vous le souhaitez. Allez, on a trouvé une touche donc sur la ligne des 40 mètres, toujours à l'introduction de Galli. Une munition un petit peu gâchée malheureusement. Hein. Dommage parce par Gaillac parce que là. L'initiative était belle, hein, une belle offensive. On avait récupéré le ballon sur un en avant de Saint-Sulpice. On a développé un petit peu le jeu en faisant jouer les trois quarts. Et c'est dommage en se mettant à la faute sur une phase de plaquage. Allez c'est bien capté. On essayait de s'organiser pour un ballon porté. Ça s'organise, mais ça se désaxe et même ça tombe. L'arbitre ne branche pas. On essaye de l'occuper, mais attention. Alors, attention, ouais. Peut-être parce qu'attention à la contre-attaque. Ouais, mais avec le soleil dans la. Oh, c'est pas mal lu ça pour essayer d'occuper un petit peu le terrain. Et ça va taper. Ça va taper grand côté. Et on va trouver la touche. Et on va trouver une belle touche. Et oui. Presque à hauteur des 22 mètres. Eh oui. Belle transversale. Belle transversale de l'arrière-garde de Saint-Sulpice qui avec le numéro 15 Gauze peut-être Charlie de Gaillac qui tape mais qui tape sur je pense son homologue le numéro 15 Lié j'imagine qui est passé par Blagnac effectivement oui. Allez un lancé par monsieur Vélo. Vélo, Julien. Allez, en fond d'alignement. Ouais, bien capté. C'est capté. On essaie de le mettre. Voilà. On l'a mis au sol de façon à ce qu'un ballon porté ne s'organise pas. Le demi de mêlée qui essaye d'organiser ses avants pour essayer de faire un petit paquet. Allez, on protège du côté de Gaillac. On attend les soutiens. Dommage. Allez. On décide d'ouvrir. On décide d'ouvrir. Ah, c'est pas mal joué finalement. Ouais, on a vu le trou. Oh là, il s'est ravisé heureusement parce qu'il y avait potentiellement une interception possible côté Saint-Sulpice. Allez, on garde le ballon. On est sur le ballon du côté Gaillac. Voilà, ça se chamaille un petit peu dans la phase au sol. Toujours à 40 mètres. Allez, Vélio, il est mis du cœur. Ouais. Le 9, il y a un avantage en cours pour Gaillac. Ah, ça donne même main. Il va taper à suivre. Ah, c'est bien, bien contré par le numéro 15, Lié. On a l'avantage pour Gaillac puisque ça n'a pas position d'hors jeu. Ouais. Position d'hors jeu. Oui, c'est Julien Vélo, le talonneur. Je réponds à Jean-Marie Gaillac. Salut Mathieu aussi.
un certain numéro 10 de Soragout. Bonjour. Qui n'est pas totalement en forme ces derniers temps. J'ai cru comprendre. Tu le chamerais pas un peu ? Non, non, je le chamerais pas, Par contre, il m'a promis quelque chose, là, je le dis en direct quand même, il m'a promis quelque chose. D'accord. On a vu une petite vidéo, là, bizarrement, sur Facebook, je lui ai dit, bon, écoute, si un jour tu veux la tenter et nous l'envoyer, c'est un grand plaisir. Donc Mathieu, défi. Bisous. Défi, bisous. Allez, un lancer vélo. Milieu d'alignement, c'est contré, ouais. Oula, attention, ça a failli le perdre, mais finalement, voilà. On plonge. On perd les appuis. Et du coup, pénalité. Pas mal de pénalités en ce début de rencontre. On est à la 17e minute de jeu. Pas mal de pénalités sifflées en ce début de rencontre. Des deux côtés, soit dit en passant. Oui. De l'indiscipline. Et des choses qui, à mon avis... sont possibles de régler, parce que perdre les appuis, là, c'est des petites fautes. Des petites fautes qui... Et Mathieu qui m'a dit, je le ferai. Très bien. Allez, super. Sa chambre aussi, Florian Carayon, très beau arbitre de touche. Ça, c'est fait. Et c'est ce qu'on aime aussi, hein, quand on vient commenter ces matchs-là, c'est que voilà, que tout le monde nous suive, même les... Allez, en fond d'alignement. Allez, belle, bien captée, on envoie son centre. Ouh. À l'impact. Puissant, ce numéro 12 là, on garde le ballon. Ortiz. Allez, on redouble, oui, belle, redoublé. Entre le 10 et 14, on a envoyé le ballon à la main. Illicitement, bien sûr. Alors, on aurait pu comprendre que ce ballon aurait été explosé, mais finalement, non. Bon, on voit bien que c'est les mimines, d'un joueur gaillacois. Le numéro 5, Cassan Alexandre. Eh bien, nous allons avoir la première tentative de pénalité par M. Ben Salah, le buteur et le numéro 9 et demi d'ouverture. Et j'en rajoute encore, non, c'est bon. C'est la première tentative. Par l'artilleur. Demi de mêlée. Demi de mêlée. J'ai dit demi d'ouverture. Oui. Autant pour moi. Oui, puisque c'est le demi d'ouverture de l'autre côté qui bute. Effectivement. Et comme pour les renvois, c'est souvent le numéro 10 qui fait. C'est vrai. Pourtant, on est habitué à ce que ce soit les numéros 9 quand même qui tapent les pénalités. Ça arrive très souvent. C'est vrai, on a du 15, on a du 10. Du centre même. Ouais, aussi. Même du centre, et effectivement. Ça passe. Réduction du score. On est entre la 19e et la 20e minute de jeu. Ici, à Gaillac, en direct. Saint-Sulpice 3, Gaillac 6. 6 à 3. Pour les puristes, parce qu'on dit toujours le 6 devant. Pour ceux qui... Qui reçoivent. Allez, un long renvoi directement dans les bras de Luc Sirvin qui tape à la réception. Allez, Vessière. Vessière. Qui envoie sur son 15, Gauze. L'ailier qui cherche à occuper. Qui va occuper Adèle, le numéro 11. On a une information en direct. Pénalité réussie par Johan Ben Salah qui a débuté sa belle carrière à l'US Verfeil. C'est gentil pour l'information. Et c'est pour ça qu'on l'a dit en direct. Allez, on récupère. Là, c'est pareil. On a gratté le ballon illicitement de nouveau. Aïe, ça fait déjà deux fois. C'est ce que vient de dire l'arbitre. Il explique. On les met au sol. Au capitaine Gisquet. Allez, on accumule un peu les fautes là. Ouais, mais c'est une volonté de mettre le mol au sol. Si j'ai bien compris la gestuelle. Oui.
Allez, le demi de mêlée, hein, ma chère Zaza. C'est ça. Tu viens Zala, qui va essayer de se donner de l'air et revenir dans le camp de Gaillac. Ouais. Et du coup, ça va venir presque. Allez, allez. 30, allez, 30. 30, 30, 30, 30, 30, 30 Abista, ouais. Abista. Abisto, Abisto 30. Allez, toujours avec l'introduction de Gali. On rentre pas beaucoup dans les 22 mètres, hein, ce début de rencontre. Quelques petites excursions, mais... Ou incursions, non incursion. Plutôt incursions, incursion. C'est plus joli. Ouais, c'est plus logique. C'est plus logique. Oh là là, on s'est fait voler le ballon, Gilou, par Gaillac. Ouais. Voilà, et pénalité. C'est bizarre, hein. Ouais, en fait, il considère que c'est Gaillac qui avait pris le ballon sur le lancer et que... Le Saint-Sulpice a touché le joueur à l'air. Du coup, on met pénalité puisqu'on n'a pas le droit de toucher le bonhomme quand tu es sur une touche. Quand tu as l'air. Ouais. Précise. Allez. Un beau lancé. Ouf. Qui est juste sur les. Ouais, juste. À l'intérieur un peu des 22 mètres. Ouais, ouais, ouais. Juste légèrement, mais à l'intérieur des 22. Ouais, mais ça va se jouer sur la ligne, je pense. Ça. Gaillac. À moins que l'arbitre de touche en décide autrement. Ah non, non l'arbitre... Non, ouais. À l'intérieur. À l'intérieur. Ce qui va mettre un petit peu sous pression cette équipe de Saint-Sulpice. Avec un lancer... un lancer de vélo. Allez, début d'alignement pour essayer de... Sûrement un ballon porté. Pour essayer de s'organiser. Ça essaye de désaxer. Mais ça... On est allé au sol. On est allé au sol. Là, je pense que c'est terminé. Il va falloir écarter ce ballon. Un avantage en cours. Et ouais, un avantage en cours sur une pénalité. Peut-être, attention, des biscottes qui risquent de sortir. Hein. Allez, sur le numéro 8. Germo. Et on a toujours le ballon. Allez, on écarte. Un peu de profondeur, peut-être. Eh non, l'ailier, il repique. Il essaye avec les appuis. Allez. 10 mètres. 10 mètres. Toujours l'avantage. On écarte. Allez, on essaie de passer les bras, non. Il s'est tourné, oui. Il a pu donner ce ballon à son équipe pour une continuité de jeu. On devrait envoyer Vessière. Vessière qui écarte sur son numéro 4, Blancal. Allez, de nouveau, on essaye. Oui, il est passé le numéro 6, il va aller marquer. Il explose le ballon. Non, 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 essai. Essai validé. Par Kranzak. Kransak, le numéro 6 de cette équipe de Gaillac, qui se fait la malle, qui se fait croquer à un mètre de la ligne, heureusement, hein, parce qu'il a été presque limité à tomber ce ballon avant d'aplatir. Et premier, Gaillac, premier essai. Ouais. Belle combinaison de Gaillac, je disais, puisque le demi de mêlée, on avait une ouverture qui pouvait se faire sur le grand côté. Et en fait, il a passé intérieur pour envoyer son numéro 6. Marqué l'essai. Réussi par le numéro 6, Laurent Crensac. Allez. Tentative de transformation. 25e minute de jeu. Et c'est une formalité pour le demi d'ouverture. Monsieur Giroud, Kevin. Sur la ligne des 22 mètres. Elle avait été tentée. Et 100% encore pour Giroud. C'est ça, c'est vrai. 3 sur 3 au pied. Il y a un score qui passe 13 à 3. 10 points d'avance pour cette équipe de Gaillac en noir aujourd'hui. Et 3 points après cette pénalité transformée, cette pénalité rentrée par M. Ben Salah. Au milieu de cette première période. Qui monte très haut. Ouf. Et décapité. Ah, bien. Par les bravo là. Bravo Goz Teddy. Attention le contre-rack. Non, c'est bon. On garde le ballon. Allez, vélo. Ouais, il gagne du terrain à chaque fois. Il est sur l'avancée. Ah, il est sur l'avancée. Allez. Vélo. Vélo sur le numéro 8. Ah non, c'est derrière. Ah, ça va. Bon, donc toujours. Oula, je pensais... Et on a lâché le ballon. Ouais. Du coup.
Oula, ça se bataille. Où ça se bataille. Les ballons récupérés donc par Saint-Sulpice. Allez, Ben Salah qui envoie son pilier. Et on est hors jeu du côté de Groyer. Donc on va avoir une pénalité. Pour, c'est dommage parce que là on avait vu un magnifique plaquage là, de Vélio sur. Je sais plus d'ailleurs. J'ai pas vu le numéro. Je crois que c'était le 4, peut-être Vincent, côté Saint-Sulpice. Bon, dans tous les cas, il y avait une position d'hors-jeu et donc M. Ben Salah va tenter d'aller chercher la touche pour essayer de recoller au score en tentant peut-être d'aller chercher un essai. On dirait une touche à 7-8 mètres. Ouais, 7, ouais, de 7 entre 7, 10 mètres de la ligne d'un but gaillacoise. Bonjour à tous, merci. Salut Laurent. Allez, milieu d'alignement, ça retombe. On s'organise, mais ça désaxe. On s'organise, ça va s'écarter. Ça va écarter. Hein. Oh. Ah oui, là. Ouais, il a tapé, mais là, il a tapé sur les fesses fort. Hein. Et là, c'est. Dépêche-toi. Il y a du caractère, ce numéro 9. Allez, toujours le ballon conservé. Allez, on envoie le second de ligne, le numéro 4, oh oui. Qui s'échappe. Allez, il a gagné du terrain. Allez, oh là là, attention. L'interception, hein, ça faillit. Hein, je crois que ça l'est. Hein. Voilà, ça l'est, interception. Et on renvoie le ballon. Allez, sur la ligne médiane. Hein. Dommage pour Saint-Sulpice là. Ouais. Dommage. Il y a eu. On ne s'est pas trop entendu entre le passeur et le réceptionneur. Et du coup, le réceptionneur s'est fait plaquer juste au moment où il allait peut-être potentiellement récupérer ce ballon de passe. Et finalement, le ballon tombe par terre, récupéré dans un deuxième temps par Gaillac. Et logiquement tapé au pied par Vessière. Allez, on cherche le fond d'alignement. Ouais. Oula, belle, magnifique la passe Gistera. Pas mal ce numéro 9, il me plaît. Ouais, il me plaît ce numéro 9. Allez, on envoie. Eh oui. Et pénalité, on se sort pas. Placard plaqué. On se sort pas de la zone de placard. On se sort pas de la zone de placard plaqué, effectivement, Zaza. Et oui, parce que quand on plaque, on ne doit pas tomber dans le camp. De l'équipe qui attaque, ou alors sinon il faut montrer volontairement et vraiment qu'on veut sortir de ce terrain. Attention, voilà. Allez ça va, on touche. Rentre. Ça va, il a pas perdu le ballon. On a gardé le ballon. Ben Salah trouve une touche. Qui a trouvé la touche. Ça reste calme quand même. Oui, non, mais. Ça reste calme dans cette tribune présidentielle. Même si de temps en temps, quand il y a de belles actions, ça chauffe un peu. On donne un petit peu de voix. Je pense que ça s'entend un petit peu dans les micros. Allez on lance encore au fond de touche. On est des grands adeptes là, côté Saint-Sulpice du fond de touche. Allez, on s'organise toujours sur le mol. Ouais, voilà, on a écroulé. On a écroulé volontairement. Attention, parce que ça fait plusieurs fois. Ouais, voilà. Et on s'est ça mis, fait plusieurs fois. Je pense qu'à un moment donné, il va sortir un petit carton. Là, je pense que ça va être le deuxième avertissement. Mais ça fait quand même plusieurs fois qu'il le dit. Attention à la discipline. Attention à la discipline. Ça fait déjà deux fois qu'il siffle cette pénalité-là. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre les points du côté. Est-ce que ça serait. Je pense qu'il demande le ti. Voilà, on fait signe. Ouais. 31e minute de jeu avec une tentative par le demi de mêlée et numéro 9. Donc le numéro 9 de cette équipe, monsieur Ben Salah. J'ai l'impression de me répéter, mais. On voit que lui pour l'instant. Même si on a des joueurs qui s'illustrent. Mais c'est vrai qu'il est omniprésent dans ce début de rencontre,
ce joueur. Tentative pas si facile que ça. Non, hein. Non. Elle est... on est à 35, ouais, 35, 37. 37 mètres, un petit peu de biais. Ouais. Par rapport au milieu du poteau. Allez, c'est frappé, tendu. Et ça va pas passer. Alors, échec. Allez, on va reprendre sur un renvoi 22, puisque on le rappelle, hein, quand une pénalité est tentée et ne passe pas, si l'équipe qui défend prend le ballon, s'en empare et tape au sol, c'est un renvoi aux 22 mètres. Allez, c'est Sulpice qui vient de louper un peu deux occasions de revenir au score hein, en quelques minutes. Et le tir a été porté par monsieur Serge Kossandé. Dit Kojak. Récupéré par le 15. Arrière, merci pour l'info. Sur la plaquage en haut. Ouais, plaquage. Allez. Allez, le. Jouer. Le numéro 7 sur elle. Ouais, non. C'est ici. On va considérer qu'il y a un plaquage. Et le carton qui va sortir. La biscotta. Voilà. Un carton jaune. Pour. Allez, attention, 10, attention, qu'on ne soit pas. Ouais. C'est un derby quand même malgré tout. Bah, quand je chante pas trop. Alors c'est sur le numéro 7, hein, Arroyo. Arroyo qui était en position d'ailier, qui se fait croquer illicitement. Et le numéro 10, Luc Sirvin, du coup, qui prend ce carton jaune, je sais pas. Oui, t'as vu le carton jaune, hein. Carton jaune. Parce que j'étais en train de regarder mes fiches au moment où il a sorti le carton. Donc merci Zaza. Heureusement qu'on. Ah non. Oh là là. Ça c'est trop dommage. Gourmand, hein. On est trop gourmand. Ça c'est dommage. Hein. Ouais, trop gourmand. Trop gourmand. On a sorti la pénalité en fait quand il a tapé. Elle est sortie au-delà ouais. De la zone d'ambut. Elle est allée dans l'ambut. Dans l'ambut. Ouais, elle est sortie sur la ligne ligne de touche d'ambut. Voilà. On laisse le choix au capitaine de l'équipe de Saint-Sulpice de savoir ce qu'il va le faire. Forcément, ils prennent la mêlée. Hein. Ils prennent la mêlée. Forcément. À l'endroit où a été tapé le coup. C'est dommage. Hein. Ouais, c'est dommage parce que surtout, on concède un carton jaune côté Saint-Sulpice. On essayait d'aller occuper. On veut être gourmand. On va chercher une belle touche. C'est dommage. Allez, attention. Et voilà, on écroule du côté de Gaillac. Tu as vu le numéro 9 ? Il n'a pas introduit ouais, volontairement. Non, il a attendu que. Hein ouais, très intelligent ce numéro 9. Ben Sala. Alors, on va voir la pénale touche. Et du coup, ça donne de l'air. Et en plus, ça fait gagner du temps sur le carton. Donc. On va rentrer. On est sur la ligne des 22. Pour la touche à suivre. Moi, je ne veux pas déclarer ma flamme. Je veux pas déclarer ma flamme quand même en direct. Mais ça là. Mais c'est vrai que là, c'est. C'est bien joué. Ouais, non, très bien. Allez, un lancé, numéro 2, Gali, talonneur de cette équipe de Saint-Sulpice. Un lancé, est-ce qu'il va être en milieu d'alignement, capté correctement, ouais. On s'organise, c'est bien joué ça. On essaye, ouais, c'est premier arrêt, il va falloir écarter ce ballon. Et ouais, mais... bien ce numéro 9, hein. Il a attendu au moment pour voir. Mais oui, il n'y a plus le numéro 10. Hein. Voilà, la solution. Il n'y a plus le numéro 10. On va prendre le carton. Oh, oui. Et je le disais tout à l'heure, tu vois. Accumulation de fautes. C'est ça. Et ça sera un carton blanc ou jaune. Je crois que c'est blanc, non. Avec le soleil, on n'a pas vu. Ouais. Je sais pas si c'est un jaune ou un blanc. On va dire un carton jaune. Carton jaune. Voilà. De toute façon, l'aboutissant est la même chose. C'est 10 minutes au frigo. Et ça sera le numéro 12. Le centre, Garriga. Garriga. Allez, du coup, on se retrouve avec une pénalité pour Saint-Sulpice. Et une supériorité numérique qui aurait dû être gérée par Gaillac. Voilà. Et qui se retrouve Ce que je dis, la pénalité touche leur coûte cher. Ah oui, celle-ci, elle coûte cher, effectivement. Il faut le dire. Hein.
Allez, monsieur Ben Salah, pour potentiellement 3 points de plus pour son équipe. Oui. Et ça passe. 37e minute de jeu et le score qui passe de 13-6. Non, 6, le speaker. Le speaker annonce 9, alors vous avez compris que ça a un peu... Il veut leur rajouter des points. Il veut leur rajouter des points. Il se fait chambrer le speaker hein, dans le stade. Hein. Il aura mis des points supplémentaires à ses subis. À l'équipe adverse. Pour le fait, je fais quelque chose de gentil pour les visiteurs. Voilà. Les visiteurs, vous pourriez applaudir. Merci. Allez, on tape pour le renvoi. Bien capté par le numéro 6. Ah, il y a un qui s'est fait mal. Aïe, aïe, la cheville. Ah oui, la cheville, là. Aïe, il est lié. L'ailier, Teddy Goz. Ouais, le numéro 14, ouais. Teddy Goz, la cheville, les appuis. Allez. On s'organise, on a toujours le ballon du côté de Saint-Sulpice. Ouais. Allez, on essaye de renouveler. Allez, on va. Bah, il s'est relevé, mais ça grince ouais, quand ça même. Grince, hein. Ouais. Il va falloir qu'il attende un peu les arrêts de jeu, le pauvre. Ouais. Heureusement que le numéro 9 l'a pas vu parce que ouais. Il y avait peut-être quelque chose à jouer. Hein. Sur le 14. Hein. Sur le 14. Hein. Allez. Allez, l'arrière qui feinte. Il se fait croquer sur la ligne 40. Ça va, il a du soutien. Ça va, il se replace. Jouer un petit coup de pied, récupéré par Ben Salah avec un coup de pied pour arrêter le ballon. Allez, fais le tas. À l'air d'appuyer les temps un peu. Ouais. Et voilà, il s'est mis en. Je pense qu'il devait être heureux. Ah là là là. Et c'est parti, un petit derby avec quelques explications, mais c'est pas bien méchant. Et on est en derby, hein? Ah ouais, c'est normal. On est en derby. C'est normal. L'arbitre explique à Cransac, justement, la faute qu'il a commise. Viens, Lolo, viens! Il faut rappeler quand même que donc on est sur un derby, mais un derby quand même très très proche, hein, oui. Puisque je l'annonce, il y a à peu près entre 25 et 27 km entre les deux villes. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Hein. Pour un derby, c'est. Parce qu'on a tendance à dire par exemple le derby entre Castres et Toulouse. Castres-Albi, il y avait Castres-Albi, effectivement, mais on parle de derby, hein, de derby de, entre Castres et Toulouse, par exemple. Alors on pourrait parler de derby entre Albi et Lavore, hein, puisqu'ils évoluent dans la même poule. Ou Lavore-Goyer ou Lavore-Albi, puisqu'ils sont pareils. C'est la même. Ouais, c'est ça. Donc voilà, mais comme j'avais l'information, je vous la donne. Hein. Allez, un lancé toujours en fond d'alignement du côté de Saint-Sulpice. Voilà, on a tombé le ballon. Allez, l'arbitre qui siffle à mi-temps. Allez, Gaillac. Allez, mi-temps. 13 à 6. Allez, on va faire une petite page de pub et on parle du Castres Olympique au retour. Du direct. A de suite et merci pour vos commentaires nombreux.
entre Gaillac et le rugby Saint-Sulpice. Et Saint-Sulpice, qui, ouais. Voilà, qui mène Gaillac 13 à 6. Alors donc on va parler du Castres Olympique un peu sur le match de Nicey. Avec Castres qui s'est imposé un peu dans la douleur, moi je vais dire 22 à 10. Ouais, mais qui a obtenu quand même le bonus offensif. Hein. Mais qui a dominé quand même un peu tout le match. Mais qui a pas mal fait de fautes, moi je dirais, sur... Voilà, on a trop... Je sais pas comment dire... C'était un peu compliqué. On a bien commencé, on a très très bien commencé le match. Des conditions, ah, non, voilà, des conditions emballé, climatiques aussi, bon, ouais, même s'il ne faut pas se cacher, se cacher derrière ça. Les deux équipes, c'était pareil, le climat était pareil pour les deux équipes. Et je trouve que les Russes ont moins tombé le ballon que nous. Ils sont peut-être un peu plus habitués à jouer avec ces conditions-là. Là, c'est peut-être possible aussi. Ouais. Ils sont montés deux fois en première mi-temps, les Russes. Ils nous marquent une pénalité et un bel essai, moi je dirais. Nous, on a dominé la première mi-temps, on est toujours pratiquement chez eux, mais on n'est pas arrivé à concrétiser à chaque fois. On a eu des pénales touches, des molles pénétrants, où on s'est fait arracher le ballon, où on s'est mis à la faute avec des personnes devant, donc pénalité puisqu'on était hors-jeu. On s'est fait arracher les ballons sur des zones de ruck encore une fois, donc bon, c'est voilà. En seconde mi-temps, on est rentré pareil un petit peu, où on s'est entêté. Surtout, moi je dirais qu'on s'est entêté à un moment donné sur le jeu porté avec les avants. On a trop joué alors qu'il y avait des boulevards sur le grand côté. C'est comme ça qu'on marque d'ailleurs le troisième essai de Geoffrey Palis. Ouais, hein, ouais. Quand on a essayé d'ouvrir, et voilà, mais on s'est entêté pendant pratiquement 20 minutes à jouer comme ça, quoi. À vouloir aller en force, à prendre. Alors que bon, il y avait Caminati qui était sur des grands côtés derrière. Bon, il faut travailler parce que je pense que il y a pas tout à jeter mais c'est vrai que sur ce match là bon, c'était un match, moi je pensais que ce soit un match justement pour nous rassurer, pour rassurer les joueurs, moi je dis, ouais. Pas pour le public aussi, forcément les supporters aussi. Et bon, avant la répétition de Lyon, la réception de Lyon, qui va être un match capital pour le Castres Olympique, capital. Je sais qu'après on aura deux gros déplacements avec Clermont et Toulon. Donc pour avoir de la confiance, justement, la victoire elle est là. On va pas se cacher. Oui, bien sûr. Deux victoires. Ça nous laisse envie dans la compétition. Il faut quand même le rappeler. On est deuxième de la poule. On est qu'à deux points des Dragons. Donc qu'on recevra pour un match capital le 12 janvier à la maison. Effectivement. Donc si on venait à gagner, donc il y a pas de souci. Mais il y a encore des phases de jeu à travailler. Ça se met en place, voilà. Petit à petit. Ça se met en place. Défensivement, ça n'a pas été mauvais, hein, franchement, là-dessus, on fait des progrès. Depuis le match de La Rochelle, depuis que Worsley est arrivé, il n'y a pas de souci. Ouais. C'est sur l'attaque, moi, que je dis, et sur le réalisme. Ouais, mais sur le quelque part, on essaye de se rassurer côté défensif, peut-être aussi. Et du coup, on en oublie un petit peu le côté offensif. C'est sur le réalisme, moi je dis, parce que tu as des occasions, tu te crées des occasions, ouais. Mais tu n'arrives pas à les conclure, c'est ça un petit peu qui est embêtant. D'accord, voilà. Ok. Parce que tu sais que très bien que si tu loupes ces occasions-là contre les gros clubs... Ça pardonne pas généralement. Ça pardonne pas. Voilà. Si en plus après, tu dois courir après le score, voilà, qui plus est... Ce qui est pas rassurant pour moi, c'est l'image d'après-réaction de Mauricio. Ouais. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Alors ouais, moi je l'ai vu aussi. Je l'ai vu aussi. Et le regard qu'il a et l'attitude qu'il a, ça je me pose des questions. Parce que je le vois un peu. Alors, bon, on parlera pas de ce qui se passe à côté. Hein. Ouais. On a toutes nos pensées pour Diarra. Qui, ouais. D'ailleurs, on lui fait un bisou. On lui fait un bisou. On embrasse toute sa famille. Et on leur souhaite bon courage et voilà tout, puisque c'est un guerrier, on le sait, c'est un homme qui a grandement porté les couleurs du Castres Olympique fièrement, et qui avait toujours la banane. Donc est-ce que ce côté-là aussi, moi je pense qu'il y a des joueurs qui ont été affectés puisqu'ils le connaissent très bien, ouais, aussi. Oui. Donc bon voilà, est-ce que c'est le contexte? J'espère que c'est ça, parce que franchement, je sais pas, voilà, j'avais l'impression qu'il était abattu après le match. Ouais. Mais oui, c'est des paroles, même j'ai trouvé que dans ses paroles, dans son discours, c'est pas le discours de d'habitude. Voilà, de d'habitude. C'est pas du tout ça. On l'a senti fragilisé, avoir un peu les larmes aux yeux, rouge. Alors que j'aurais aimé, tu vois, qu'il soit plus en colère, de dire ouais, mes joueurs n'ont pas fait tout ce qu'il fallait. Ouais. Il fallait plus de niaque. Ils étaient là, oui, c'est vrai, mais encore un peu plus de niaque. Bon, il a félicité l'équipe russe, oui, qui a pas démérité. Bah, bien sûr, ils ont joué leur match, tout simplement. Et donc voilà, donc c'est bon, c'est voilà, c'est cette image là qui me fait un peu peur. Voilà. Avant la réception de Lyon.
Mais bon, après, je sais que notre équipe de catch du Grasse Olympique est souvent très très forte. On le sait contre les grosses équipes. Ils se transcendent là-dessus. Ouais. Donc, je vais rester sur cet aspect-là. Parce que je leur fais totalement confiance là-dessus. Et qui sait, peut-être le match de référence contre voilà. Lyon, hein, tout simplement. Hein. On le souhaite grandement de toute façon. Ouais, ils avaient fait une belle partie à La Rochelle sur une belle première mi-temps. Donc. Voilà, oui, mais bon, c'est un peu un courant alternatif, quoi. Une seule mi-temps aboutie, on va dire. Et malheureusement, la deuxième mi-temps, des fois, ben, c'est pas trop ça. Et c'est là où on prend un max de points et c'est pas bon. C'est pas bon pour l'issue du match, quoi. Non, tout à fait, tout à fait. Mais bon, il y a du mieux. Il y a du mieux. Allez, on va se retrouver. Avec donc à 14 contre 14, hein, on le rappelle, ouais. Hein, puisque les cartons jaunes 33 et 35. Donc on va avoir encore entre 3 et 5 minutes d'infériorité numérique des deux côtés. Puisqu'on va reprendre cette deuxième période à 14 contre 14. Et donc toujours Gaillac donc, qui a l'avantage avec un score de 13 à 6. Allez, Mensala. Allez, c'est parti. Un gros renvoi dans les 22 mètres. Récupéré par Vessier qui renvoie sur Lier. Voilà. On voit qu'il n'y a pas de vent quand même. Hein, parce que. Belle chandelle montée. Ah oui, mais. Qui permet. Ça va être sous pression là. Attention, l'arrière justement. Et le ballon est récupéré du côté de Saint-Sulpice par le numéro 8 qui se fait la malle. Se fait la belle. Ah, il se fait croquer dans les 22 mètres. Du côté gauche. Allez, qui renvoie sur le ballon sur le 7. On a toujours le ballon du côté de Saint-Sulpice. On est 6, petit côté. Attention, ballon explosé. Et oui, on s'est explosé. On a tombé le ballon. Et donc, du coup, un en avant. Et donc, on va reprendre sur une mêlée. Introduction. Kayak. On attend le ballon. Ouais, le ballon ou peut-être un joueur blessé, un joueur de première ligne, Non, finalement. Ouais, non, je sais pas. Est-ce que. Ouais, c'est le numéro 9, hein ? Ouais. Non, le numéro 9. Ben Salah. Qui se fait soigner ou... Le 9 est sur le terrain, c'est bizarre. Alors ça doit être un centre ou un ailier. Un ailier plutôt, je pense, vu la position. Ouais, vu le positionnement, effectivement, il y a le numéro 12. Donc ça doit être le numéro 11, peut-être. Sirvin, Léo. Le seul Sirvin sur le terrain. C'est un peu cafouillé sur la sortie. Ouf. De balle, mais bon. Ça donne de l'air, là. Voilà. Là, ça fait du bien. Allez, une introduction. Bon, malgré le score, on assiste quand même à un match relativement équilibré quand même. Hein. Deux équipes, oui. Deux équipes qui... Alors, il n'y a pas trop d'occasions d'essai, c'est vrai, de chaque côté, mais c'est plaisant. On se fait plaisir. Allez, encore le fond d'alignement, décidément. Allez, ça écarte. Allez, les lignes. Il y a un trou. Ah oui, là. Oui, il a vu le trou, il a fait semblant de donner. Il a mis les cannes. Ouais. Il avait mis les cannes. L'arrière. Du côté de Gaillac. Ah, c'est bien. Allez, c'est... le 9. Le soutien était magnifique, là. Bravo, bravo. Allez, on ouvre encore du côté Gaillac. Attention. Allez, là. Et ben oui, il y a moi le ballon plein visage. Ouais, donc, plein visage, mais bon, la défense était très très vite montée à côté Saint-Sulpice. Et donc forcément, ça met un petit peu la pression au réceptionneur du ballon. Et le retour du carton jaune. Et peut-être... C'est ouais. Saint-Sulpice qui rentre. Et oui, puisqu'on est à la 43e minute, tu avais noté 33e pour le carton. C'est bien. Le représentant fédéral Didier Mirepoix veille au grain et fait rentrer le premier carton jaune.
Donc là, nous, on va avoir 2 minutes de supériorité numérique là, pour Saint-Sulpice, avec une introduction justement pour eux. Donc peut-être qu'il faut essayer de tenter quelque chose. Essayer d'aller marquer. On a perdu les appuis, là, côté talonneur. Oula, ça pousse fort, là. Allez, on envoie le numéro 14. Solide comme un centre. Ouais. Allez, Vessière, attention, ça se bat de tous les côtés, mais le ballon continue. On a des explications. Ça fait des bisous, ça fait des bisous. Ouais, entre les piliers, les talonneurs. Alors, nous, on continue la seule, il y a toujours un ballon. Un grand côté, attention, il ne l'a pas vu, dommage. Parce qu'il y a une ouverture du côté de Saint-Sulpice. Et bien revenu, l'ailier. Et il y en a un avantage. Ah oui, un avantage, voilà. Position d'hors-jeu. Position d'hors-jeu totale. Hein. Voilà. Mais position d'hors-jeu totale. Voilà. Hein. Un numéro 11 là, qui essaye de se faire violence. Voilà, je pense que ça... Là, à un moment donné, je pense que l'arbitre, il va falloir quand même qu'il essaye de tenir son match. Ouais. Après, franchement, c'est compliqué. C'est très compliqué. Non, mais il est tout seul. Pour un arbitre, c'est très compliqué quand il est seul, même s'il y a un représentant fédéral qui a dû sûrement noter les échauffourées, surtout qu'en plus, ça s'est passé juste devant lui. Donc, à mon avis, il va y avoir des échanges de coups, effectivement. Hein, donc, attention. Hein, voilà. Le représentant fédéral, je pense qu'il doit avoir le stylo dans la main là pour écrire ce qu'il y a à écrire. Faire le rapport, noter les numéros, et donc du coup on a une pénalité. On va aller chercher la touche alors que... Oui, parce qu'on est toujours en supériorité. Et oui, on est toujours en supériorité, effectivement. Donc on va essayer de marquer. Et même si le joueur normalement pourrait peut-être même rentrer. Hein. Et non, pas encore, parce que sur l'action... 35. Tant que l'action n'est pas finie, il ne pourra pas rentrer. Et oui, puisque c'est une pénalité. Voilà. Oui, effectivement. Mais bon, je pense qu'il va bientôt revenir. Rentrer de suite. Allez, lancer. Bonjour Victor Moreau qui nous regarde. Merci de nous suivre sur Radio Olympique. On a dit du mal de vous tout à l'heure. Mon Dieu, oh là là. Pas de Victor, non. Pas de Victor, non. Il a fait une bonne rentrée, il a pris 2 ou 3 ballons importants sur la touche. Allez, un lancer. C'est cafouillé, on a perdu le ballon du coup. On a perdu une munition encore en attaque du côté de Saint-Sulpice. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Ouf. Et du coup, Gaillac. Allez, on devrait sortir, taper, voilà, pour trouver une touche. Et voilà le numéro 12 qui rentre effectivement, ma chère Zaza. 47e minute de jeu. Hein, et le score toujours de 13 à 6. Et tant qu'il n'y avait pas d'arrêt de jeu, il ne pouvait pas rentrer. C'est ça. Alors Saint-Sulpice qui a eu, ce que je dis, ça fait 3 occasions qu'il loupe un petit peu de. Ouais, de c'est scorer, ça. Quoi. Deux fois qu'ils ont une occasion de rentrer dans les 22 mètres pour mettre à mal cette équipe de Gaillac. Attention, parce qu'il y a un joueur de Gaillac. Un plaquage haut. Et le Gaillac qui est blessé. Est-ce que c'est pas le 14 de tout à l'heure? Non, c'est le numéro 8. C'est le numéro 8, Gerbo. Alors là, je pense qu'on va taper les points du côté de Saint-Sulpice, puisqu'on amène l'outil. Ouais. Pour la pénalité. Ouais, Gerbo au sol. Hein. Ouais, Gerbo au sol, le numéro 8 de Gaillac. Le soigneur qui est rentré, il se tord de douleur. Alors, est-ce que c'est plus la cheville? Est-ce que c'est plus le genou? On appelle. Plus la cheville. On passe du froid sur la cheville. Donc, ça serait plus la cheville. Je pense que le changement, il y a le changement, le numéro 20, là, qui Léo Durand. Durand Léo. Il se prépare. Peut-être le doc qui va rentrer. Qui va rentrer pour voir. Ouais, le doc là. Alors. Parce que des fois le froid ne suffit pas. Hein. Et non. Surtout avec les conditions printanières d'aujourd'hui. D'aujourd'hui. Et puis bon, après la pelouse, parce que tu as des appuis. Ouais, c'est ça. Et puis bon, elle commence à être marquée quand même, cette pelouse. Hein. On voyait marqué. Tout à l'heure là avec le soleil, c'était joli, mais elle commence à être marquée avec. Et tu peux tordre facilement une cheville ou un genou. Hein. La preuve hier, Picamole, Montpellier-Toulouse, mauvais appui et poum, il a laissé le genou
avec les ligaments croisés. Donc, Ouais, Louis Picamala, effectivement. Ouais. Sur une pelouse voilà, qui a souffert aussi du côté de Montpellier. Et... Bah, tous les terrains, de toute façon. Tous les terrains, avec cette pluie qui a été incessante ces derniers jours. Avec limite tempête, hein. limite tempête à certains endroits, du vent très très violent jusqu'à 140-150 km/h dans le secteur. Donc voilà, il va essayer, ou est-ce qu'il essaye de se relever pour essayer de tester un petit peu sa cheville? Non, je pense que c'est fini. Donc sortie du numéro 8, Gerbo, sous les applaudissements de cette tribune présidentielle de ce complexe gaillacois. Et l'entrée donc du numéro 20, Durand Léo, remplaçant. Et Christine qui te dit coucou. Ouais, je vois. Bonjour Christine. Bon, j'espère que vous vous régalez autant que nous. Allez. Ben Salah. Et le soigneur qui se fait chambre. Ah non, c'est Kojak. Kojak, c'est celui qui apporte le team, semble-t-il. Oui, Fabien, il a dit ça, je crois, tout à l'heure. Allez, tentative de pénalité. À 35 mètres, un peu décalé. Ben Salah, avec le soleil en pleine figure. Il est bien parti. Et ça passe. Ça passe. Réduction du score. Et là, le speaker peut dire qu'il y a 9 points. 13 à 9. Et ça recolle, hein. Ça recolle, petit à petit. Je vais pas le dire, l'oiseau fait son nid, parce que normalement c'est la phrase. Ouais. Mais petit à petit, Saint-Sulpice refait son retard. Et on le disait tout à l'heure, hein, ils ont tendance à se déplacer en prenant des bonus défensifs. Donc il va falloir quand même regarder un petit peu cette équipe de Saint-Sulpice en seconde période. Parce que je sens qu'ils vont vouloir aller chercher au moins le bonus défensif dans ce derby. Et le ballon qui a été éjecté, il a envoyé sur les appuis, il va aller de l'autre côté. Ouf. Ah ça va, il s'est fait croquer dans les 22. On va pouvoir taper directement en touche peut-être si on s'organise correctement. Ouais, le ballon qui a été à mon avis perdu. Hein. Mais... Allez, on l'a gardé. Allez, ça va écarter. Ou alors peut-être Ben Salah va s'en occuper lui-même. Allez. Il va trouver une très belle touche. Très belle touche. Et ça se joue rapidement. Entre l'arrière. Et ouais, le numéro 20, le nouvel entrant qui a du jus, il a envie de montrer que... Alors attention de passer. Ah, on a perdu les appuis. Ouais, on a perdu les appuis. Allez, on la joue vite, on essaie d'emballer du côté de Gaillac. Voilà, on n'est pas venu se mettre à la faute, c'est bien. Allez, le centre. Toujours le ballon. Il y a un grand côté ouvert, on est en surnombre peut-être. Allez, on allonge, l'ailier. Ah ben, tu vois, le 14, il a pas si mal que ça, oh hein, finalement. Hein. L'éponge magique. Ouais, l'éponge magique. Le 14, Gauze, Teddy. Ouais. Allez, le numéro 10, Giroud. On essaie d'aller vélo. Ouf, vélo, ouais. Qui garde toujours le ballon. Qui conserve. Allez. Ouf. Ouais. Les placages, du joli placage là. Ouais. Allez, numéro 6. Oula. Mais c'est très bien, c'est très bien vu hein, pour la défense de Saint-Sulpice. Allez, qui monte 13. Et qui fait perdre du terrain hein, à cette équipe. Allez, Durand, s'il donne le ballon. Oh oui. Il impacte. Hein. Lui il impacte depuis son entrée. Attention, la carton. Ah la carton là. Et oui, mais c'est en bas de là du ballon. Dommage pour... Dommage du côté de Gaillac parce qu'on se met à la... Alors on est à l'attaque et... derby. Hein. Là c'est derby de chez derby. On est reparti, on s'explique. Allez, Alors je pense que l'arbitre va nous sortir une biscotte. Ah oui, non, mais là il est obligé. Là il est obligé. Il y a intentionnellement une venue sur le côté. Donc c'est très dangereux dans un premier temps et en plus il arrive avec beaucoup de vitesse. Donc le rouge même. Et pour vélo. Et oui parce qu'il vient dans le rouge. Le rouge c'est pour vélo, le talonneur.
Vélo ou le numéro? Non, c'est vélo. Oui, c'est vélo. Non, c'est le numéro 1. C'est Gisquet. C'est Gisquet qui était tout simplement le capitaine en plus de cette équipe. Et qui sort en plus en sang. Donc je pense qu'en plus sur l'impact, il a dû se faire mal. Alors, c'est, ça ouais, c'est des gestes qu'on n'aime pas voir. C'est des gestes qu'on aime pas voir, même si. Surtout quand tu as un ballon d'attaque. Surtout. Surtout quand tu as la main sur le ballon, effectivement. Bon, à partir du moment où on touche à l'intégrité du joueur, là. Il n'y a pas de souci. C'est bien vu, monsieur l'arbitre. On va y venir. Surtout que, comme je te le disais tout à l'heure, hein, on a eu pas mal de venues intentionnelles sur le côté plusieurs fois. On a eu même des cartons jaunes. Et donc, du coup, de toute façon, c'est le capitaine qui, normalement, reçoit les recommandations de l'arbitre ou les remontrances. Donc Kaya qui va finir pendant 30 minutes à 14 contre 15. Ah, il est venu avec beaucoup de vitesse. Après, est-ce qu'on pourrait remettre en question le carton rouge? Je suis pas sûr. Non, mais la zone, ouais, là. Il est venu avec beaucoup de vitesse. Hein, franchement. Et intentionnellement, donc c'est ce que l'arbitre a dû considérer aussi, la vitesse, l'intentionnalité, pour changer la couleur du carton. Allez, on attend le ballon du côté de Saint-Sulpice. Allez, voilà, elle n'est pas droite, mais elle était en faveur de Gaillac. Donc c'est pour ça qu'on laisse l'avantage. On va revenir sur la première. Le lancer pas droit. Puisqu'il n'y a pas d'avantage, donc. Dans le lancer pas droit, on rappelle à ceux qui ne connaissent pas forcément toutes les règles. Alors. Allez. On refait la touche. Mais ça c'est au choix de. Voilà, on refait la touche. De l'équipe. Alors on a eu du changement du côté de Gaillac. Le numéro 5, Alexandre Cassan, qui est remplacé par le numéro. Je vais essayer de suivre le speaker aussi, Zaza, pour voir sortie un petit peu. Cassan, donc le numéro 5. Allez, lancer Vielo. Allez, début d'alignement. Attention, bien contré. C'est volé. Petit côté. Sur le ballon. Ah non, c'est le numéro 16. C'est Julien Kevin qui est rentré. Ouais. Et le numéro 9, Vessière, qui lui ne perd pas de temps. Hein, s'il y en a un qui vient essayer de faire quelques échauffourées. Allez, un avantage en cours pour Gaillac. On continue, on ouvre. Allez, 11, l'arrière. Allez, on s'extrait. Allez, Léier le 14. Il a les cannes. Alors qu'il semblait être touché tout à l'heure à la cheville. Ah, ballon. L'arbitre dit qu'il y avait un touche. Non, qu'il y avait un avant. Non, continue. Toujours le ballon. Attention à l'interception. Oh ouais, l'interception. Pas loin. Eh oui, pas loin. Mais bon, un avant commis. Donc toujours un avantage pour. Position d'hors-jeu de la défense blanche. La défense blanche. Allez, touche à 5 mètres pour Gaillac. Bon. Qu'on rappelle, un inférieur. Et donc en fait, ils ont pris la touche tout à l'heure, ma chère Zaza. Et il me semble savoir pourquoi. Puisque si tu prends la mêlée, tu es obligé de faire rentrer un joueur de première ligne. Oui, exactement. Étant donné que le carton rouge sur Gisquet. Oui. Voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont choisi la touche. Une question tactique. Oui, question tactique, effectivement. Et aussi, de façon à peut-être pas faire sortir un joueur de trois quarts. Allez, un lancer. Vélo. Début d'alignement. C'est cafouillé encore. Qui a récupéré par Vélo.
Et bon. Oui, mais un avantage sur un en avant commis par la défense de Saint-Sulpice. On est à 10 mètres de la ligne. On arrête tout et on revient. Ah, là par contre. Alors là, on va devoir en faire. On va devoir, là, on va devoir, puisque là, on est sur un carton rouge, donc il ne reviendra pas de toute façon. Donc on va devoir faire rentrer un joueur de première ligne, à moins que y ait un joueur dans la ligne de deuxième ligne ou de troisième ligne qui puisse avoir aussi la possibilité de joueur première ligne et donc du coup passer pilier ou talonneur, ce qui est possible aussi. Et du coup, ça se voit. Dans ces divisions-là, ça se voit. Ça se voit. Et c'est le cas. Parce que là, on voit clairement qu'il n'y a pas de numéro 8 sur la mêlée noire. La polyvalence, tout à fait. Mais c'est vrai qu'à haut niveau, quand on voit les matchs de top 14 ou autre, on fait forcément rentrer un joueur qui évolue vraiment à son poste. Attention, le ballon, Cafouillé. Mais on a toujours le ballon du côté de Gaillac, conservé. Allez, le numéro 20. Ah ouais, le numéro 20, il fait du bien. Rentré. Le numéro 20, il fait du bien, il met tout le monde à l'avancée. Attention. Alors, bien refoulé par la défense blanche. Mais on a toujours le ballon du côté de Gaillac. Alors on devrait envoyer vélo. Ouf. On est à quoi? On est à 3 mètres de la ligne. Hein. 3 mètres. Hein. 3 mètres. Attention, est-ce qu'on va y aller en pick and go? Ou est-ce qu'on va essayer d'écarter? Je pense quoi plutôt qu'on va écarter. On va envoyer Durang, à mon avis, je pense qu'on devrait. Arroyo qui a essayé. Attention, Vessière, de pas perdre ce ballon, ça serait une cartouche importante, surtout quand on a un carton rouge en cours. C'est important là pour vous, si vous voulez aller marquer. Allez, avec pick and go, alors qu'on a un joueur qui est au sol, hein, avec des crampes côté Gaillac. Justement. Et mêlée, voilà. Et oui. Et on a perdu le ballon du côté de Gaillac. Et on aura une introduction. La défense est vaillante, vaillante de Saint-Sulpice. Et mêlée avec une introduction. Le numéro 22 qui fait son entrée blanc. Le numéro 22, Pignol. Et du côté de Gaillac, Bouygues Arnaud, le 21, qui rentre aussi. Ouais, un petit peu de coaching, hein. On est à l'heure de jeu, hein, 61e minute de jeu. Et ouais, on commence à puiser un petit peu dans les organismes là. Hein. Et ça se voit avec les courses du numéro 20. Hein. Le numéro 20 qui est plus frais que les autres et qui fait mal, hein, à cette défense de Saint-Sulpice. Mais la défense est en place. Introduit par Ben Salah. Oh, voilà, oh ça s'est fait. Oh, il s'est trompé. Oh, oui, c'est trompé. Oh, l'ouverture. Oh, le cadeau qu'il fait. Là, il a fait super un cadeau. Là, il fait un cadeau. Ah, il a fait une offrande directement à avoir son numéro 29 adverse, Messière. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. En plus que je faisais ces éloges depuis tout à l'heure, je me disais que voilà, qui voyait juste, qui essayait de faire en sorte que son équipe ne subisse pas tant que ça. Et là, il s'est trompé. Il a voulu lâcher ce ballon peut-être un petit peu trop tôt. Alors on est mal à tête sur la combinaison entre. Et on a fait, des fois on dit une 89, mais là on a fait une 99. Exactement. Ça y est, je moque trop la phrase. Hein, Zaza, je moque 3. Tu peux la garder. Quoi qu'il en soit, malheureusement, ça offre 5 points à Gaillac. Ben Salah doit s'en vouloir, monsieur Ben Salah doit s'en vouloir. Et la transformation. Et en plus, ça transforme. Ça transforme. 20 à 9. Et du coup, Gaillac qui va pouvoir gérer un peu le match à 14 contre 15. Oui, ça va gérer. Et Saint-Sulpice fait un changement. Ouais, du 17 et du 16. 17 et du 16, il y a Bazé qui rentre en 17. Et il y a 18, Buitendak. Le Sud-Africain. Le Sudaf. Allez, un grand renvoi sur le numéro 10. Du côté de Gaillac qui dégage et qui trouve une touche dans le camp. Ouais, dans le camp.
dans le camp de Saint-Sulpice. Hein. Ah, ça joue vite. Ça joue vite. Ouais, oui. Ouais, mais bon. Ah là, il y a peut-être une subtilité de la règle. Peut-être quand, quand la, l'arbitre... il est déjà en place. Je pense qu'il même, il avait même fait la marque de l'alignement... du milieu de l'alignement de touche. Donc là, ça serait peut-être pour... allez, pour Alexis. Alexis, si tu le sais, si tu nous suis. Oui, je crois qu'il regardait le match tout à l'heure, Alexis. Mais là, c'est une subtilité. Je ne sais pas si on a le droit de la jouer vite. Enfin, du moins, de toute façon, c'est toujours à l'appréciation de l'arbitre. Hein. Oui. C'est lui qui décide si ça peut se jouer vite ou pas. Allez, on s'organise du côté de Saint-Sulpice. Ouais, ouais, ça avance. Attention de ne pas se mettre à la faute. On a toujours le ballon. Attends, Durand qui est bien rentré. Qui chamaille le ballon. Bien gardé. Ouais, le numéro 20, là, il fait une belle entrée. Durand, là, attention. Allez, attention, et oui, c'est mis à la faute du côté de Gaillac. Il s'est mis hors jeu. Allez, Saint-Sulpice, s'ils veulent rentrer. Ah, mais là, de toute façon, ils emballent le jeu. Là, il n'y a que potentiellement. C'est 7 points, hein, 7 points hein, 7 en fédéral 2. Oui, c'est ça, 7 points. C'est 7 points pour le bonus défensif. Hein, puisqu'on le rappelle, en top 14, ce n'est que 5 points. Et donc en fédéral, c'est 5 points. 7 points. Donc si on veut rentrer dans le bonus défensif... Oui, voire espérer autre chose. Autre chose, effectivement. Mais, hein, il faut parce qu'on est jouer. Là, on parle, on est à la 65e minute de jeu, donc il reste quand même pas mal de temps à jouer. 20 à 9, 11 points d'écart. Donc, de toute façon, pour recoller, voilà, il faut au moins un essai. Essayer d'oublier cet essai casquette un petit peu et d'essayer de se remettre dans le droit chemin. Dans le sens de la route. Ouais, effectivement. Allez, le numéro 16. Allez, bien capté. Bertolozzo. Allez, on s'organise sur un mol. Premier arrêt. Stipulé par monsieur l'arbitre. Il va falloir écarter ce ballon. Et ça avance. Ouais. Attention, si ça s'arrête, il va falloir écarter ce ballon hein, pour pas redonner la cartouche à Gaillac. Ça écarte. Qui a moi sur son numéro 8, qui résiste mais qui tient. Attention, si ça écarte, ça peut faire mal. La défense, c'est trop lent. Allez, le numéro 7. Attention, on a perdu le ballon et on est hors jeu du côté de Gaillac encore. Attention. Ça fait plusieurs fois. Hein. Ouais, ça fait plusieurs fois. Et voir peut-être un plaquage, je pense que c'est plutôt un plaquage. Attention, ouais, c'est ça, c'est un plaquage plutôt. Un plaquage haut ou... Alors, on va essayer de regarder la gestuelle de monsieur l'arbitre, s'il veut bien la refaire. Monsieur l'arbitre Benoît Lapassade. On a toujours un joueur au sol du côté de Saint-Sulpice. Ouais, le soigneur qui est venu à son chevet. On ne sait pas trop exactement ce qui s'est passé, mais bon, il me semble avoir vu quand même sur la gestuelle une position d'hors-jeu. Hein. Tu le disais en direct aussi. Voilà, peut-être plus une position d'hors-jeu, mais... En tout cas, ça offre un potentiel 3 points. Il reste encore du temps. Oui. Pour 13 minutes. Ouais. On prend la mêlée. On veut essayer avec la mêlée, étant donné, hein, on le répète. Hein, donc c'est le numéro 1 qui a pris le numéro 1, Gisquet Olivier, qui était le capitaine de cette équipe de Gaillac, qui a pris un carton rouge. Je ne sais pas si tu as noté à la 53e minute. Depuis la 53e minute, Gaillac joue en infériorité numérique. Et pourtant, Gaillac est devant au score. Allez, Ben Sala. Une belle solidarité là. Ouais. Allez, numéro 8. Allez, ça tient. Attention, si ça écarte. Ouais, mais il n'y a pas assez de monde là. Il n'y a pas assez de soutien. Allez, on continue.
On essaye de concentrer. On essaye de concentrer la défense, je pense. Pour essayer d'écarter grand côté. Tirer un petit peu. Ah mais c'est en place, c'est en place. Ouais, place vélo, c'est en place hein. à la limite à chaque fois. Ouais, on a gardé le ballon toujours du côté de Saint-Sulpice. On retarde la sortie du ballon. Ben Salah, on écarte 21, attention. Ouais. Oh, c'était monté vite là. Ouais. Ouais, attends, ouais, mais du coup tu ouvres, tu fais. Ah ouais, tu ouvres une brèche, c'est une sûr. Brèche. Et là si ça écarte par contre, ça peut faire mal. Là ça peut faire mal. Là ça peut faire mal. Si c'est bien, si ça bien. Ah oui, ça va essayer. Ça y va. Et voilà. Oui, il y avait un 4 contre 1 à jouer là et je pense que l'ailier, hein, je sais pas, le Miguerou peut-être, hein, le numéro 14, je sais pas. C'était loin, hein, c'était très très loin. C'est à l'autre opposé en fait. Ouais, c'est alors, vraiment à l'opposé. Même le speaker est perdu. Alors, où c'est le 11, où c'est le 14? Si c'est Sirvin, c'est le 11. Si c'est le 14, c'est Miguerou. Il veut pas se tourner, le bougre. Non. Pourquoi pas ce numéro? Allez, transformation pas facile, hein. Pas facile, hein. Ouais, est-ce qu'elle mais était quand même en mais cet essai, mais cet essai a le mérite de les faire revenir dans le point de bonus défensif. Et de relancer le match. Et de relancer totalement le match. Effectivement, il reste 10 minutes de jeu, 70e minute de jeu et tentative de transformation de cet essai complètement en coin pour Ben Salah, le numéro 9 et buteur de cette équipe de Saint-Sulpice. Il va rester 10 minutes de jeu, 10 minutes de jeu où Gaillac va essayer de redonner ce ballon, essayer de faire en sorte de mettre à peu près à 10 mètres parti. Et ça va pas passer. Ça passe pas. 20 à 14. Et donc on a l'entrée du numéro 18, Tirefort côté UAG. Et le numéro 19 du côté de Gaillac. Pastor Germain. Et le 20 aussi, Sanda. Sanda, troisième ligne du rugby club Saint-Sulpice La Pointe. Qui est rentré. Un beau bébé aussi, hein. Bien solide. Allez. On récupère le ballon. Oula, petit coup de pied. Ouais, petit coup de pied, mais. Petit coup de pied. Allez, on va voir l'intérieur du KM de Saint-Sulpice. Attention, hein, parce qu'on n'est pas à l'abri de prendre un essai côté Gaillac et de perdre le match. Hein. Là, on est à 20 à 14, s'il est transformé, bien sûr. Mais voilà, ils sont revenus. Saint-Sulpice est revenu à hauteur d'un essai transformé. Mais on rappelle à 15 contre 14. Tout à fait. Allez, lancer le vélo. Mais les brèches ont mis du temps à s'ouvrir quand même. Hein. Puisque on est à 70. Sur le rebond. Oula, récupéré. Ah voilà. Ah, en avant. Un en avant sur la touche. Du côté de Saint-Sulpice. Donc on a une mêlée pour Gaillac. Le soleil ça va, mais ça le soleil. Ça. Mon cher Zaza, je t'ai laissé seul. Je t'ai laissé seul, mais je suis en train de mettre mon sweat parce que ça commence à cailler quand même. Tu mets ta petite laine. Oui. Tu mets ta petite laine. Bon, je vais pas mettre le chauffe-pied quand même encore. Non, bah oh, quand même aujourd'hui. Pas quand même aujourd'hui. Oh, le ballon qui est resté. Attention, ouais, qui est ressorti sur l'introduction de la mollet. Hop, il perd le ballon sur le croc. Attention, le plaquage sans ballon. Un bon, premier en avant, un deuxième en avant, donc on va revenir au premier en avant. Avec un avantage. Avec un du coup, une mêlée pour Gaillac. Oh, allez, 73e minute de jeu. Du côté de Gaillac. Il y a eu pas mal d'arrêts de jeu quand même, hein, donc je sais pas si l'arbitre va s'en tenir à l'affichage du stade.
sur la première mi-temps, oui, ça a été le cas, puisqu'il a sifflé directement à la 40e. Mais sur la deuxième, période, entre les échauffourées, les cartons, les changements et tout, je pense que le chrono de monsieur l'arbitre ne doit pas être forcément dans le réel de ce que l'on a dans le stade. Mais quoi qu'il en soit, on peut déjà vous dire le temps qui reste, à peu près entre 7 et 10 minutes. À peu près. Hein, c'est ça. Allez, introduction, Vessière. Allez, le ballon est sorti. Il écarte sur son arrière. Attention, le ballon. Ouf. Ouh là là, non, mais c'est bon, c'est conservé. Il y a en avant. Allez, on va avoir une mêlée pour Saint-Sulpice. Une émission pour aller chercher, pour aller jouer chez l'adversaire. Et malgré tout, quand même, Gaillac qui ne subit pas trop hein, en termes de. Non, non. Ils arrivent à tenir, puisqu'en fait, le match est tellement. Il y a eu tellement de coupures que Saint-Sulpice n'arrive pas à emballer le match. Mmh. Donc, du coup, Gaillac reste. Mais il me semble qu'il joue à 7 contre 7, là, pour la. Non? Pour la mêlée, non. Pour la mêlée, si, il n'y a pas de numéro 8. Ouais, il est sorti en fait pour faire l'heure sur l'attaque. Attention, le ballon. On a oublié le ballon. Et on en fait un en avant derrière. Ouais, que l'arbitre a vu. Il y a un avantage pour Gaillac. Et le numéro 8. Mais c'est plus difficile hein, de plaquer aux jambes. Et un avantage. Cette année, c'est plus compliqué. Hein. Un avantage en cours pour Gaillac. Oula, il met. Attention, le numéro 18 là. Et le 16. Ah, il faut prendre les poils là pour Gaillac s'il veut assurer la victoire. Assurer la victoire dans un premier temps et les sortir du bonus. Exactement. Et les sortir du bonus parce que. Et voilà, c'est ça. Voilà. Rappelle-le, Zaza. C'est très bien que tu le rappelles maintenant. Parce que là, c'est important que tu le rappelles. Gaillac 6ème avec 26 points et le Rugby Club Saint-Sulpice. Et 7ème avait 25 points. Même s'il y a un match de retard, hein, oui, soit dit en passant. Un match de retard. Allez. Encore faut-il qu'il la passe. Je veux pas porter la ligne, mais bon, voilà. Chat noir. Monsieur Giroud, Kevin. Le demi d'ouverture de cette équipe de Gaillac. Allez, légèrement, un peu excentré. 23 mètres. Il fait un petit peu le ménage sur sa ligne de course avant de poter ce ballon. Bien soufflé. Expiré. On n'est pas encore sur la. Ah ! Et voilà. Et peut-être une première balle de match. Et voilà. Cachée peut-être hein, du côté de Gaillac. Et voilà, on veut jouer trop vite du côté de Saint-Sulpice, on essaye d'emballer. Mais voilà, vous combien en avant. Il y a des bêtises des deux côtés là. Là, il y a des bêtises des deux côtés. On essaye de se précipiter. Certes, il reste pas beaucoup de temps, mais en prenant qui va piano Bassano. Ouais, qui va piano Bassano, tu as raison. Alexandre. Donc surtout quand tu offres une belle mêlée. Tu redonnes le ballon. Bon, même s'il a sur un renvoi au 22, bon, il y avait de très fortes chances que tu rendes le ballon, hein. Ça oui, c'est sûr et certain. Mais si tu le, voilà, si tu bottes et que tu as quelque chose à négocier sur la ligne médiane, et ouais, c'est pas la même chose que ce que tu as à négocier sur la ligne 22. Hein. T'es sur la ligne 22 mêlée et tu peux être en position de drop et pourquoi pas. Et pourquoi pas? Non, on la joue du côté de Gaillac. Et ouais, mais c'est pas idiot. On est en touche direct. C'est pas idiot. On l'a mis direct, c'était vraiment pas idiot. C'est dommage. Hein. Après, j'ai pas regardé l'alignement du réceptionneur par rapport au botteur. Je sais pas s'il était en avant ou pas. T'as regardé? Je sais pas, j'ai pas regardé. Parce qu'il faut le rappeler, hein, quand il y a une passe au pied comme ça, il faut que le réceptionneur soit derrière le botteur, derrière l'alignement du botteur. Au moment où il botte, de façon à pouvoir récupérer ce ballon après le coup de pied. Allez, on récupère toujours le ballon du côté de Saint-Sulpice. On s'organise en molle
Allez, on avance. Allez, tout doucement. Allez, ça là, ça avance. Ça continue. On est toujours debout. On essaie de s'organiser. Mais Gaillac a bien contré. Ah. Attention à Vélo qui. Ouais, Vélo, il s'est effondré par terre. Hein. Ouais. Et on rend le ballon. Allez, sur l'arrière. Du côté de Gaillac. Qui joue un petit coup de pied à suivre pour lui. Et hop là, attention à la réception. Bessala perd le ballon. Et Savane touche. Ça devient brouillon. Ouais. Ça devient brouillon. Allez, on arrête le jeu. Ouais. On a Vélo qui est toujours au sol. Allez, on joue à la 79e minute. Et Gaillac mène toujours sur le score de 20 à 14. On est limite sur la fin de match là. Il doit pas rester grand chose. Il doit rester quoi, une ou deux minutes, pas plus, hein, parce qu'avec tout. Vélo a l'air d'être touché, il s'est même effondré très très vite. La cheville ou le genou. Le genou. Ouais. Apparemment c'est le genou. Ouais. Ah, il va pas nous faire une pique à moi là, j'espère pas. Non, on ne le souhaite pas pour lui. Bon, il est applaudi par le stade. Voilà, stade. Allez, on va. Il devrait sortir. Il veut sortir sans l'aide de ses collègues. Les collègues. Dignement. C'est le genou, hein. Ah, le genou, ça fait. C'est la, une des plus grosses blessures sur. Allez, il y a Fébri qui rentre à la place de Vélo, le 17. Qui a fait un gros match, Vélo. Ouais, il a fait un gros match, ouais. Il a fait un très très gros match. Au niveau de la défense, au niveau de l'avancée de l'équipe. Ouais, même pas trop des déchets en touche. Pas mal. Ouais. Et donc Freddy qui rentre à sa place. Hein. Un lancé important. Hein. Attention, ils se sont fait contrer. Allez, attention. Donc, ouais, attention, une attention. Dernière attaque. Peut-être pour Saint-Sulpice. Et on va rendre le ballon. On va rendre le ballon, mais si ça... Ça va sortir. Oui, belle touche. Ah, belle touche. Hein. Belle touche à l'intérieur. À l'intérieur des 22. Alors là, ça va être chaud. Ah, ça va être chaud. Là, ça va être très très chaud. Là, il faut... Mais il faut rappeler que la touche sera pour Gaillac. Gaillac. Oui, pour Gaillac. Donc Freby peut-être, non? Ouais, Freby. Non, ça sera pas Freby, je pense pas. Si, si, c'est Freby qui. C'est Freby qui va tenter se lancer. Un peu de pression là pour se lancer. Il faut assurer le lancer. Là, il faut assurer le lancer, pas trop trop. Pour la victoire, à la fin. Ouh là 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 là. C'est bon. Gardez le ballon. Là, il va falloir le garder bien au chaud. Et directement. En touche, et l'arbitre, oui, signe à la fin du match. Il signe, ouais. Allez. Il siffle à la fin. Allez, victoire de Gaillac, 20 à 14. Ouais. C'est Saint-Sulpice qui encore reprend un point de bonus défensif. Oui. À l'extérieur. Effectivement, ils sont venus chercher le point de bonus défensif. Mais ils auraient pu espérer. Bon, je pense que de toute façon, si on leur avait dit ça juste au début de la rencontre, je pense qu'ils auraient signé de toute façon. Ouais, mais au vu. Mais au vu du carton rouge et de la physionomie du match, il y avait peut-être quelque chose à aller chercher côté Saint-Sulpice, même si Gaillac n'a pas jeté les armes non plus. Ils y sont allés. Non, défensivement, ils ont été là. Après, est-ce qu'on rappelle pas un petit peu aussi ce qui s'est passé sur l'essai casquette? Oui. Qui peut-être à mon avis a son importance sur l'issue de la rencontre. C'est le tournant du match. C'est le tournant du match, je pense ça, puisque. Kayak, oui. Puisque oui, si on enlève. Si on enlève. Si on enlève 7 points à cette équipe de Gaillac, c'est plus du tout le même match. Hein. Non. Donc voilà. Donc je pense qu'il y aura de la déception côté Saint-Sulpice. Des regrets, ouais. Ça c'est assuré. Mais voilà, les deux équipes nous ont offert un match. Un match sympathique, un derby comme on les aime, même s'il y a eu quelques échauffoureux, mais de toute façon, dans les derbies, ça en fait partie. Donc voilà, un très 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 bon match, avec des conditions climatiques qui ont fait aussi que cette rencontre a pu se jouer dans de bonnes conditions. Voilà, la pelouse n'a pas trop souffert non plus. Ouais, malgré avec les mêlées, tout ça, on aurait pu croire c'est ça. Ça se dérobe ou autre. Mais là, ça, c'est pas forcément le cas. Et on voit les équipes en mode cohésion
pour Gaillac après cette victoire sur le score de 20 à 14. Et on va rendre l'antenne, ma chère Zaza. Merci d'être venu avec moi au micro aujourd'hui. Merci à la hyène. Pour ces images. Merci à ma femme d'avoir ramené le trépied, parce que sinon on aurait été vraiment dans la caca. Et puis on vous souhaite de bonnes fêtes. On vous souhaite de bonnes fêtes. Ça a été la dernière transmission, la retransmission de l'année 2019. Donc en espérant que l'année 2020 puisse être aussi riche pour les clubs tarnés qu'elle a été cette saison, effectivement. Et pour tout ça, on vous donne rendez-vous en 2020. Merci Zaza. Merci beaucoup. Merci Thomas, mais il ne pourra pas répondre parce qu'il n'a pas de micro. Donc je réponds pour lui. Et merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour vos commentaires parce qu'il y en a eu pas mal aujourd'hui. Ça a été sympathique. J'en ai vu vraiment pas mal. C'était sympa. Notamment pour nous donner des anecdotes sur les joueurs. Ça, c'est toujours super. Merci pour tout. Merci et donc à tout à l'heure pour les interviews, si on arrive à avoir des joueurs qui veuillent bien venir devant la caméra. Merci à tous, à 2020. Au revoir. Au revoir.